Le seul péché que j'ai eu à commettre était de mobiliser les gens et dire tout haut que je soutiens ce bureau de l'Union Sacrée parce que c'est le nôtre. Pas seulement combattu, je suis l'homme à abattre. Quand je dis, je marche le vendredi et deux jours après, je suis assiégé. Monsieur Guylaine Gnembo, le directeur de cabinet du chef de l'État, mais celui qui a amené, c'est vérifiable, celui qui a reçu les députés du FCC. Personne ne les a reçus. Celui qui les a reçus officiellement et celui qui a présenté la gouverneure auprès du chef de l'État. En quelle qualité il va réunir les députés du FCC? Il a reçu mandat auprès de qui? N'est-ce pas ça une trahison? Qu'est-ce que Fatty lui a fait pour mériter cette trahison? Qu'est-ce que le président Félix a fait à Guylaine Gnembo pour mériter de cette trahison? Parce qu'il a un collaborateur à ses côtés qui continue à entretenir des relations avec le FCC. Est-ce que le président... Mais parce que le président de la République a déclaré haut et fort, tous nous l'avons entendu, fini le mariage FCC cash. Voilà. Maman Olive est allée dans les Tanganyika pour parler de l'ingratitude du chef de l'État. Qui a haussé sa voix? Je suis la seule personne à mobiliser la population comme elle l'a fait dans le stade. J'ai tenu un meeting dans le stade. Les images sont là. Le président Félix n'a eu que 3 ans jusque-là. Mais pendant 18 ans, on n'a pas développé le Tanganyika. Mais dans 3 ans, on peut réaliser ce qu'on n'a pas réalisé dans 18 ans. Nous avons répondu à cela. Aucun de ces députés n'a levé sa voix pour défendre le chef de l'État. Mais aujourd'hui, ils veulent avoir de l'amour plus que nous qui avons milité pour ce pouvoir. Notre objectif est que le chef de l'État s'implique parce qu'il est le garant de la nation et le garant de bon fonctionnement des entités de l'État. Et ici, nous disons tout simplement que celui... Et le combat de Papa Étienne Tshisekedi, qui dit le peuple d'abord, ainsi que le chef de l'État qui prend l'État de droit. Le respect des textes, ainsi que de loi, est violé dans les Tanganyika. Nous avons besoin de l'État de droit dans les Tanganyika.